Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va faire des cupcakes chocolat framboise, une recette très simple, pas besoin de robot, suivez-moi. Dans un saladier, commencez à mélanger tous les produits secs. Ajoutez les œufs, mélangez à l'aide d'un fouet. Vous verrez, vous aurez une pâte qui sera granuleuse. C'est tout à fait normal, mais vous verrez que la texture va changer plus tard. Vous allez comprendre avec la vidéo. Ici, j'ai rajouté du beurre clarifié. Le beurre clarifié, c'est simplement une plaquette de beurre que vous allez faire fondre au micro-ondes et après vous le laissez refroidir tranquillement, vous retirez juste le beurre qui est par-dessus et le petit lait, vous le jetez. Ici, j'ai mis de l'eau chaude, donc c'est très important que votre eau soit chaude. Regardez comment la texture change. On peut presque la manger à la petite cuillère. Alors les amis, si vous n'avez pas de poche à douille, ce n'est pas grave, vous pouvez parfaitement utiliser des sacs de congélation. Vous faites juste un petit trou avec des ciseaux et vous remplissez vos moules aux 3/4 environ. Surtout ne les remplissez pas trop parce que ça va gonfler à la cuisson et après voilà, ça va déborder ou autre. Donc vous remplissez juste aux 3/4. Avec les quantités que je vous ai données, donc j'ai fait 10 muffins. Par contre, c'est des gros muffins. Donc comme vous voyez, ils sont gros, on dirait ceux de Starbucks. Ici, on va faire une compotée de framboises. Donc c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur des muffins. Donc on va fourrer avec cette compote à la framboise. J'ai mis 200 g de framboises surgelées. Vous pouvez faire également avec des framboises fraîches, hein, si vous souhaitez. 20 g de sucre, le jus d'un demi-citron. Donc j'ai laissé bouillir, j'ai rajouté le quart d'une cuillère à café de maïzena. Donc je laisse mélanger tranquillement. Et après je vais filtrer donc pour enlever les grains. Mais je vais quand même retirer quelques grains pour donner cet aspect de framboise. Donc là, si vous ne voulez pas de grains, vous ne rajoutez pas à l'intérieur. Moi j'ai rajouté un tout petit peu pour donner cet aspect framboise. Pour creuser vos muffins, alors vous pouvez utiliser par exemple une douille ou bien vous avez des embouts qui se vendent en grande surface généralement, hein, spécialement pour creuser les muffins. Voilà les amis, pour la décoration j'ai choisi les fruits rouges, donc pour rappeler la compote de framboise qui est à l'intérieur, mais vous pouvez également faire selon votre envie, selon ce que vous avez à la maison. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Bisous bisous les amis!